Recherche de fuite sur réseau. Il y a bien le réseau qui va à droite, à gauche, tout le long. On a une partie qui va de ce côté. Et une autre partie ici. Et là, on a trouvé la boîte, on l'a démontée. Elle se trouve ici. Par contre, on n'a pas de fuite sur le réseau. Ni alimentation chaude, ni eau froide, même si on a un rayonnement. Suite à un circulateur qui se trouve dans la chaufferie, qui va permettre de chauffer le réseau en permanence sur l'eau chaude, pour avoir de l'eau immédiatement dans une salle de bain à 30 mètres, à 40 mètres. Je ne vais pas dire qu'il y a une fuite. Hein. Pour les amateurs, fuite détectée à l'extérieur, infiltration partant depuis. Et on va voir ça tout de suite. On a une descente, on a la toiture ici qui vient tomber ici, partant depuis, bien sûr, l'eau, hein, je parle. Là, on a la gaine, on a le tuyau d'évacuation qui longe cette partie-là. On a le bac qui se remplit, bien sûr. On a aussi un passage ici. Et qui vient s'infiltrer le long. Pardon. Oui, c'est une fuite par là, ça fait tout le temps, je suis d'accord avec vous. Oui. Là, vous dites que ça sèche. Et puis, vous pouvez me rallumer. Si ça sèche, c'est qu'il a tellement. Et puis là, on a la chape dalle apparent ici et qui a créé des dégâts des eaux partant du pays.